Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canomalac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un code qui vide la mémoire cache de votre appareil. Et par conséquent, il augmente l'espace de stockage de l'appareil et les performances. Les détails juste après la pause. Donc le message insuffisance d'espace de stockage pour installer une application ou un jeu à partir de Play Store est le problème dont souffrent la majorité des utilisateurs de smartphones. Surtout ceux qui possèdent des appareils dont l'espace interne est tellement inférieur ou ceux qui souhaitent avoir plusieurs applications et jeux sur leur appareil. Alors pour résoudre ce problème, généralement on installe des applications qui suppriment la mémoire cache. C'est quoi la mémoire cache? La mémoire cache est l'ensemble des fichiers ou données temporaires que les applications stockent dans une zone dédiée au cache. Ces données servent à exécuter plus rapidement les applications dont vous vous servez. Mais elles prennent rapidement beaucoup de place, donc il faut penser à les vider régulièrement. Donc, leur suppression n'influe pas négativement sur le bon fonctionnement de l'appareil. C'est pourquoi il faut les supprimer régulièrement afin d'augmenter l'espace de stockage de l'appareil et aussi les performances de l'appareil. Le problème, c'est qu'on n'a même pas d'espace de stockage pour installer des applications qui suppriment le cache. Donc, on va voir un code qui supprime la mémoire cache sans utiliser d'application. Et aussi, on va voir une autre méthode destinée pour la version d'Android Lollipop et supérieure, ça veut dire 5, 6, 7, 8. À partir de cette version, vous pouvez supprimer la mémoire cache sans code, sans application, à partir des paramètres de votre téléphone. Premièrement, on va voir donc le code. Alors, pour le code, vous allez sur l'application téléphone. Vous allez entrer donc étoile, dièse, 9, 9, 0, 0, dièse. Et voilà donc une nouvelle interface qui s'ouvre. Dans cette nouvelle interface, vous allez toucher ici Delete Dompostat Logs Cast. Et la mémoire cache se vide. N'oubliez pas de faire cette opération régulièrement afin de nettoyer la mémoire cache. Donc c'est très simple, on n'a pas besoin d'installer d'application. Mais pour ceux qui possèdent par exemple Lollipop, la version d'Android Lollipop, Marshmallow, Nougat ou Orion, voilà donc comment on fait. Vous allez donc sur paramètres. Dans paramètres, vous allez chercher stockage. Voilà stockage. On touche pour y accéder. Là, on a mémoire de l'appareil. Et là, on a bien sûr le stockage mobile, la carte SD. Nous, ce qui nous concerne, c'est le stockage interne. On va toucher mémoire de l'appareil. Et on a ici les répartitions. Espace total pour mon cas 16 Go, espace disponible 3,92 Go, mémoire système, ça c'est réservé pour les applications système à ne pas toucher, espace utilisé 6,22 Go, ça c'est l'espace où j'ai donc installé des applications, des fichiers, des jeux, des vidéos, des photos, etc. Et c'est autre, mais voilà, on a ici donné en cache. Pour mon cas, 535 mégas. Et je vide régulièrement cette mémoire cache. Donc, il faut remarquer l'espace qu'occupe la mémoire cache. C'est pourquoi il faut la vider régulièrement. Donc, pour la supprimer, vous allez toucher comme ça. Et là, vous avez donné en cache de toute application seront effacées. Pour ma part, je vais toucher supprimer. Si votre version d'Android est inférieure à Lollipop, ça veut dire 4, 4, 4, 4, 1, 4, 1, etc. Vous pouvez utiliser le code qu'on a vu. Vous pouvez même utiliser le code pour Lollipop, Marshmallow, Nougat, pour n'importe quelle version d'Android. Il est très utile et très efficace de nettoyer la mémoire cache de l'appareil afin d'augmenter d'une part l'espace de stockage de l'appareil pour pouvoir installer des nouvelles applications, des jeux, des fichiers, enregistrer des vidéos, prendre des photos. Et d'autre part, l'appareil fonctionne en plein père. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.